Quel morceau, hein. Et bam, signé Mentissa sur Radio Contact. Et bien. La révélation belge Mentissa est l'invité du Good Morning ce matin sur Radio Contact. Qu'est-ce qu'on est heureux de l'avoir dans ce studio, surtout que là, il va y avoir une prestation live. Alors, on a assisté aux petits réglages, aux répétitions hors antenne. On n'est clairement pas dans les conditions techniques les plus favorables, mais cette voix... Cette voix, c'est incroyable. Incroyable. On a savouré ce morceau, et bam, écrit par Vianney, donc, avec qui tu as eu une connexion apparemment immédiate. Hein. C'est ça. En fait, humainement, je pense qu'on s'est très vite compris, et donc du coup, ça s'est fait naturellement aussi. Voilà. On se comprend assez bien dans notre manière d'être, donc ça fonctionne bien ce duo, Vianney et moi. C'est vrai qu'on se disait hors antenne, alors nous on a regardé, on fait partie des millions de téléspectateurs qui ont regardé The Voice aussi la semaine dernière, et c'est vrai qu'il y a eu cette allusion, tu le disais, ouais, Olivier. Cette semaine, Oui, c'est ça. Où voilà, tu es devenu la référence de Vianney, et la jalousie des autres coachs qui disaient, ben voilà, ça y est, tu vas séduire celle-ci en lui rappelant ce que tu as fait pour Mentissa. Enfin, c'était un peu la carte Pokémon, quoi. Ouais. Qui sort quand il en a besoin pendant The Voice. C'est incroyable. C'est trop bien. Alors sur cet album, il y a le nouveau single, évidemment. On va pouvoir en profiter à la radio, bien sûr, mais pas que Valentino, ni aussi en live sur Instagram. On est sur live sur parler, Instagram. Hein. Voilà. Coucou. Je savais pas. Donc live Instagram, pouvant en profiter là aussi sur Radio Contact et Radio Contact en télévision ainsi que sur Plug RTL. Bon, on est partout, on est vraiment. Avec sur TF1 qu'on n'est pas ce matin, mais ça pourrait venir. Donc voilà, gros moment là tout de suite, c'est Mentissa en live. Se lève, était-ce un rêve ou un mauvais film? Une Italienne, il était son homme, son essentiel, lui l'aimait candide, sa bohémienne. Elle était gauche, elle était droite, surtout la débauche. Dieu, quel dégoût, ce mot dans sa poche, elle a compris d'un coup. Lui pas mal habile, mais malhonnête. Mamma mia, que j'étais bête. Mais me voilà libre, je serai la reine sans roi. Je serai la reine sans roi. Et peu m'importe toi. Et peu m'importe toi. Elle s'habille. 2 ans défilent, était-elle aveugle ou bien débile? Est-ce que chaque homme est un animal? Est-ce qu'après tout c'était pas si mal? Elle y pense encore quand elle s'endort. Elle était gauche, elle était droite, surtout la débauche. Dieu, quel dégoût! Mamma mia, quand j'étais bête, lui pas mal habile. Je serai la reine sans roi. Et peu m'importe toi. Et peu m'importe toi. Est-ce que chaque homme est un animal? Est-ce qu'après tout c'était pas si mal? J'empile des questions tellement banales. Le problème, je me demande si c'est moi. Qu'on prenne la coque qui pourra. Je vais tout brûler, même ta maison. J'étais bête, lui pas mal habile, mais malhonnête. J'ai dit mamma mia, que j'étais bête, mais me voilà libre. Je serai la reine sans roi. Je serai la reine sans roi. Et peu m'importe toi. Et peu m'importe toi. C'est incroyable. Et pour, alors, je rappelle incroyable. Que c'était pas le disque. Hein. C'était en live. En live. C'est incroyable. Tu sais que j'en ai oublié de respirer. Franchement, mais...
Une auditrice, Anne, a tout résumé. Elle a dit: Mentissa, tu as une voix qui donne des frissons, qui transperce au plus profond de soi. Je t'adore. Ah, merci, nous aussi, on adore. T'as un talent incroyable. Incroyable. Tu nous fous les larmes parce que franchement, ouais, c'est un talent débordant que tu transmets. Que c'était bon de t'entendre ce matin en direct. Merci pour ce cadeau. C'était un plaisir. Merci de m'avoir invité. Sincèrement, non, c'est magnifique. Alors, tu sais, je lisais, on a eu un petit dossier de presse te concernant. Et c'est vrai qu'en écrivant, enfin, en lisant ce dossier de presse, on voit ce qui est écrit. Voilà, Mentissa, la vivacité pétardatante ou pétardante, spontanéité salvatrice, verbe volubile. Et c'est vraiment ça. Tu es solaire, tu es magnifique, franchement, un capital sympathie instantanée. Et c'est vrai. Merci. Et un talent de fou. J'aime bien ce résumé de presse, il est pas mal. Merci, cool. Mentissa. Merci et beaucoup, puis, c'était un plaisir. On rappelle l'album, évidemment, La Vingtaine, qui est sorti au mois de novembre. On rappelle également les dates. Alors, c'est sold out à la Madeleine à Bruxelles. Ce sera le 13 avril. Cet été, tu seras au Francophonie de Spa et au Solidarité. Et puis le 16 novembre, ça c'est vraiment, vous devez réserver vos places, ça va être incroyable, au Cirque Royal de Bruxelles, cirque-royal-bruxelles.be. Merci Mentissa. Merci beaucoup. Merci beaucoup Mentissa.